Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Donc dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser un nouvel outil très puissant et très souvent utilisé par les traders professionnels, l'oscillateur stochastique. Donc nous allons commencer par paramétrer l'outil d'analyse que nous mettons à votre disposition dans la partie outils de notre site. Tout d'abord, dans l'onglet instruments, vous allez pouvoir choisir la valeur sur laquelle trader. Ensuite, dans l'onglet chart type, vous allez sélectionner l'onglet Line Chart pour un meilleur affichage de la courbe. Ensuite, dans l'onglet Time Scale, nous allons nous positionner sur 5 minutes. Enfin, dans l'onglet Studies, vous choisissez l'outil Stochastic Slow et vous cliquez sur New. On peut voir que l'outil est déjà pré-réglé par convention sur ses différentes valeurs. Nous allons changer le réglage de l'Averaging Period Slow et se mettre sur 3 et faire la même chose sur l'Averaging Period Fast, donc 3. Donc on peut voir apparaître une nouvelle courbe ici en rouge qui représente une moyenne mobile. Donc on va zoomer pour voir un petit peu mieux ce qui se passe. Voilà, et on s'aperçoit que la courbe noire va venir couper la courbe rouge en de nombreux endroits. Et donc c'est ça qu'on va analyser. Donc nous savons que nos courbes oscillent entre 0 et 100. Je vous ai mis des petits indicateurs sur le côté pour bien repérer. Et le principe de cette méthode sera tout simplement bien de repérer les endroits où nos deux courbes vont se croiser en dessous de la barre des 20 et au-dessus de la barre des 70, comme on le voit sur le graphique. Donc je vais dézoomer un petit peu pour qu'on voit sur du plus long terme tous les endroits où j'aurais pu parier. Donc voilà, on voit bien que je vais prendre mes trades à la hausse lorsque la courbe noire va croiser la courbe rouge du haut vers le bas en dessous de la barre des 20, et je vais prendre mes trades à la baisse lorsque la courbe noire va croiser la courbe rouge du bas vers le haut lorsqu'elle descend en dessous de la barre des 70. Donc on va le faire tout de suite. On peut voir que la courbe noire vient couper la courbe rouge du haut vers le bas et qu'on est bien au-dessus de la barre des 70. On peut voir notre indicateur